Salut tout le monde les amis, c'est Drawinik, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Sniper Elite V2. Maintenant que j'avais repéré le centre de production des V2, j'étais presque au bout de mes peines. Je n'avais plus qu'à m'infiltrer, neutraliser les trois cibles restantes, tout faire sauter et rentrer au bercail du gâteau. À la crème. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode 3 de Sniper Elite V2. On va infiltrer le complexe que vous voyez ici dans, avec la petite carte. J'avais pas remarqué, mais on pouvait appuyer sur R1 pour voir une carte de ce qu'on va faire, quoi. Une carte qui indique les joueurs, les ennemis et notre point de vue. Continuez. C'est parti pour cette mission. Donc c'est parti les amis pour cette nouvelle mission. On se retrouve donc à la fin d'une journée en Allemagne, je crois bien. Et attention, il y a un ennemi là. Oula. On va essayer de pas utiliser notre... je sais pas où il est. Ah, il doit être en haut. Oui, j'avais pas remarqué qu'il y avait des ennemis en haut. Ah non, il y a lui. Là, il m'a repéré, je crois. Allez, bim, bim. Bim, j'ai eu. J'espère qu'il a pas alerté les autres. Non, ne donne pas l'alerte, ne donne pas l'alerte. Bim, ça t'apprendra à descendre des escaliers. Alors, qu'est-ce qu'il a dans les poches? Ok, il a rien. C'est pas grave. On continue, hop. On va se remettre à couvert et tirer au snipe. On a un premier gars. Boum, allez. Dans la gorge. Non, pas du tout, dans le poumon, c'est pas grave. Allez. Un deuxième. On les enchaîne. Ouh, violent. Bouchon d'oreille. Ça veut dire que je vais tirer dans les oreilles, je pense. Allez, encore un autre. T'as été loin en plus. Oula, sur l'épaule. Allez, j'en veux d'autres. Allez, c'est la boucherie. Ah, il y en avait un là, j'avais oublié. Allez, juste au moment où il se relève en plus. Ouh, dans les testicules. Dans les deux testicules. Oh là là, ça doit faire très très mal ça. Je sais même pas si tu vas s'en venir. Y a qui, quelqu'un d'autre? Là, y a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Le mec, il a même pas de pitié, quoi. Tirer dans les testicules, jamais j'oserais faire ça. Ça doit faire quand même très très mal. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? On va redescendre, comme tout à l'heure. Et j'espère que cette fois-ci, on va pas se faire tuer. Hop. Hop. Par là. Tiens, ouais, impeccable, on peut se cacher là. J'espère juste que je vais pas me faire avoir par derrière. Parce que j'ai l'habitude, mais je trouve ça dégueulasse. C'est parti. Attends, faut que je l'aie à la Thompson, là. Allez, viens. Boum. La violence. C'est bon, il y a personne qui arrive là. On peut se recacher. Et on continue à camper. Ah, toi. Je sais pas où tu m'as... d'où tu m'as tiré. Ah tiens, il y en a un là. Boum. Allez, un autre. Ouh, il avait un gros poumon celui-là. Y a qui d'autre par là? Piti piti. Tiens, toi. Boum. Oh, genre, je l'ai pas eu. Allez, en plein mouvement. Ouh, dans les jambes. Genre il est blessé, il est en train de tomber comme s'il était reine mort, mais ils disent blessé. Je vois pas du tout d'où il est blessé le mec là. Plus il bouge plus du tout. On va sortir. Allez go. Hop. On est des fous, on sort. J'espère qu'il y a personne par là. Wow 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 wow. Non, j'étais pas là, j'étais pas là, j'étais pas là. Oula. Oula, lui, faut le tuer absolument. Bouh! Entre les barbelés, gars. Et ouais, tu m'attendais pas au tournant, hein. Allez, go. On va passer entre le rocher et les barbelés. Ils sont en train d'appeler des renforts, faut qu'on monte en haut de cette tour. Pour essayer de pas se faire... J'espère qu'il n'y a plus personne. Je crois qu'il n'y a plus personne.
Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. On va pouvoir fouiller son corps. Ouh là, je dis ça, mais en fait, tout le monde me tire dessus. Vas-y, bouge, 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 bouge. Ouais, remonte. Allez, go, go, go. Aïe. Non, je vais pas mourir maintenant, je suis trop jeune. Allez. Prends des munitions, voilà, et mets-toi à couvert. Voilà, impeccable. Ça tire bas. Ah ouais, ils sont cachés. Putain, ils sont bien cachés. Oh la vache. Je sais pas si je l'ai eu, je crois pas. Ils sont cachés dans la petite maison, là, dans le tunnel plutôt. Il y a écrit quoi? Nord tunnel. Je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, je viens de comprendre. En fait, quand il y a les haut-parleurs qui s'activent, ça veut dire qu'on peut tirer sans que personne n'entende, vu qu'il y aura les haut-parleurs d'activer. Ah ouais, donc ça c'est impeccable. C'est-à-dire que c'est le bruit des haut-parleurs dissimule notre bruit de balle. Ça c'est bien ça. Comme ça on pourra plus entendre les détonations. Ah, on va pouvoir rentrer je crois. On va passer par là. On va reprendre la mitraillette. Oh putain! Allez, tue. Allez. Oulala, j'ai eu peur. Putain, il y en a deux qui sont sortis comme ça, ils ont dit on s'en bat les couilles. Oulala, j'ai eu peur. Je vous promets, j'ai sursauté. Hein. Allez, boum, grenade. Ah, je vais mourir. C'était tellement viril mon cri. Allez, on recommence. Poser des explosifs dans les complexes. Wow. Mais attends, genre comment je suis sur les ennemis quoi. Putain. Ok, doucement. Mais purée, mais je suis pas du tout discret là. Oh, mais tu es discret. L'épisode, je pense. Allez, on va monter par là. Va falloir qu'on pose des explosifs. Tiens, là, on peut en poser là. Allez, premier explosif. Hop. Maintenant, il reste deux explosifs à poser. Attention, hop. On va essayer d'être discret cette fois-ci. On va reprendre le silencieux. Ah, il n'y a personne? Ah, il n'y a personne là, ok, impeccable. On peut reposer des explosifs. Ah, j'entends des Allemands, je crois. Ouais, j'entends des Allemands. On ramasse l'arme là. Je crois pas que c'est un silencieux, par contre. Ah, il y a un ennemi là. Ouh, la violence. Par contre, j'ai pas été discret, du coup. J'espère qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis par là. On a une mine, des dynamites, mine antipersonnelle. Et... je t'en l'air. Ok, j'ai loupé. Par contre, ouya. Aïe, pas où là, ouya. Attention. Cache-toi. Ils ont tout. Hein. Boum. Allez, blessé. Boum. Oh, je crois que j'ai eu deux d'un coup. Manette déconnectée. Veuillez attribuer une manette au port numéro 1. Tu te fous de ma fucking gueule? Boum. Du coup, j'en ai exclu combien? Un seul. Ok. Donc, il y en a un deuxième. Faut faire attention. Donc, je vous explique. Là, je suis à 2 cm de ma télé qui fait 120 cm, d'ailleurs. Il y a un mec derrière moi que je vais tuer, bien sûr. Voilà. Il y a un mec là qui me met une grenade. Je vais courir. Voilà, je me cache là. Voilà. Je vais le buter, hein. Je suis pas du tout dans la merde, là. Oh putain, il y en a une quinzaine qui arrivent. J'aimerais bien une grenade, mais j'en ai pas. Maintenant qu'on a posé les deux bombes, on doit en poser une dernière pour finir la mission. On va essayer d'être silencieux. Je sais pas s'il y a des armes à ramasser par là. Mais il va falloir être silencieux. Pour pas se faire remarquer. On va prendre le petit gun là. Ah tu veux, voilà.
J'espère que lui n'a pas été alerté. Ok, impeccable, il n'a pas été alerté. Putain, il est alerté. On se retrouve les amis, donc maintenant qu'on a posé les deux bombes, il nous en reste plus qu'une. Va falloir qu'on fasse attention par contre à être discret et à pas se faire voir surtout. Je dis ça et puis je vais voir. Putain, de toute façon. Boum, allez, et de 1. Du coup maintenant qu'on s'est fait repérer, on est obligé d'être de pas être discret. Tant pis. Allez. Allez, boum. Et de 1. Boum, et de 2. Boum. Boum, allez. On les enchaîne, même si on est... c'est pas du tout beau ce qu'on fait, parce que... Parce que comment... Parce que, bah, on se cache pas, quoi, et tout. Pour faire discret. Mais j'arrive pas à cette mission. Je comprends pas trop, en fait, comment être discret. À part avec les radios, là, mais il y en a plus. Et comme l'arme que j'ai, là, je prends... Le silencieux que j'ai est vraiment nul. Je pense que j'en prendrai un autre à la prochaine mission. En tout cas, le snipe lui est vraiment bien, je trouve. Allez, on les enchaîne. Allez, purée. Bon, par contre, on les défonce bien, mais c'est pas du tout joli, quoi, niveau gameplay, je veux dire, sans être infiltré. On a le cardio qui bat à 100 à l'heure. On va reprendre la mitraillette. Je pense que c'est bon. On les a tous tués. Il en reste plus qu'un. On peut dire quand même qu'on fait un gros carnage. On peut monter là. Et je pense qu'on va devoir tout faire exploser. Maintenir pour poser les explosifs. Voilà. L'objectif est terminé. On a posé les trois types de charges. Des dynamites et on va pouvoir donc on doit localiser le bureau de Schwarzenegger, je sais pas quoi. C'est par là j'espère, hein. Ok, il doit y avoir, ouais, on peut aller par là. J'espère qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus l'air d'avoir du monde. Là c'est où on était. Alors ah oui je sais. Faut passer par là, l'espèce de grande avenue là. Là où il y a le train. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir des ennemis par là. Donc, comme je vous ai dit, hein, les missions sont quand même assez longues dans le jeu, mais c'est normal, parce que si elles étaient trop courtes, ça irait pas très bien. Oula, je sens qu'il va y avoir de l'ennemi, là. Je suis même presque sûr. Ah, quoique. Je dis ça, mais il y a l'air d'avoir personne. Ça se trouve, on va devoir se... Parce que jamais ils mettraient des trucs là, quand même, si c'est pas pour se cacher des munitions. Ok, on peut monter par là. On va reprendre la mitraillette au cas où on tombe sur des méchants. Hop. Voilà, on est arrivé. Alors, rentrons dans son bureau. Et là, petite cinématique. Impossible de mettre la main sur les scientifiques. Mais j'espérais encore trouver un indice qui me mènerait à eux. Dieser Bastard Schweiger hat uns alle verraten. Wir haben ihn bei dem Versuch erwischt, zu den Amerikanern zu wechseln. Er wird am Opernplatz gefangen gehalten. Er wird bei Tageslicht noch erschossen werden. Merde, il m'a vu. Et merde, il m'a vu. Wow, wow, cache-toi. Allez, boum, ça t'apprendra à mettre plein de points de vie là. J'espère que ça va pas monter, c'est juste ça que je demande. C'est que ça monte pas en haut. Allez, un deuxième. C'était obligé qu'on devait tirer là quand même. C'était obligé qu'il allait avoir des ennemis quand même. Allez, un troisième. Oh la violence, le headshot. On reprend un peu de vie. J'espère que ça monte pas. Non, ça a pas l'air de monter. En haut, je parle.
Oh non, mais putain, ça me saoule là. Hey, c'est bon. Putain, que c'est bien. Ok, bon, je me suis fait tuer. Maintenant, faut que je sois un peu moins discret. Enfin, un peu moins... Faut que je me mette un peu plus à couvert. Parce que sinon... Attendez, on va passer là. Voilà. Là, on voit plus de choses. Déjà, toi... Boum! Allez, crève. Ah merde, c'est pas des bombes de nuggets, ça. Putain, je tire juste au-dessus. Alors toi, bam, nion, boum, trop bien l'explosion. Et tu décèdes, mon gars. À toi. Allez, ouh, c'est trop bien fait ça. En plus c'est la manette qui vibre. Allez, toi, sors, 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 sors. Allez. Ah merde. Non, si, je l'ai eu, je l'ai touché. Il est pas mort. J'espère qu'il n'y en a pas qui monte. Et comme avait dit Monsieur Blind, il a raison, c'est que tous les ennemis ont à peu près la même tronche. Donc ça, c'est un peu con, je trouve, qu'ils ont pas mis des têtes différentes. Surtout qu'ils auraient largement pu. Putain, il y en a vraiment plein. Ouh, c'est en train d'exploser. Oh la vache, des explosions partout. Allez, putain, on fait un gros carnage. Encore près de la vessie. Allez, encore à toi. Putain, le carnage qu'on fait. Si vraiment on était un sniper comme ça, on serait promu, quoi. Enfin, c'est fou. Alors toi, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, il a sauté, carrément. Allez, tu ris. Y'a plus personne? Si, on a un là-bas. Je crois qu'il y en a un qui est parti là. Allez, on va descendre. Ah tiens, là. Ouh. Ouh, ça fait mal. En plus, après, on fait exploser le truc derrière. Je prends des grenades. Tiens, ouais, il me faudrait grenades. D'ailleurs, j'aurais dû les utiliser avant, c'est pas grave. On va passer par là. Record mondial. Je sais pas record mondial de quoi, mais apparemment, j'ai battu un record mondial. Génial. On est trop des big boss. Alors toi. Recharge, recharge. Voilà, impeccable. Allez, venez, venez, venez. Wow, 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 wow. Rentre, 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 rentre. Putain, je vais me faire tuer. Attention, 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 attention. Alors toi, si tu viens, tu te prends une balle, t'es mort. Je crois qu'il est mort, je crois qu'il est mort. Ouais, c'est bon, il doit être mort. Aïe. Tu en as un qui va arriver comme ça. Il va vouloir me tirer dessus. Ou alors il va être en feu, je pense. Je suis sûr qu'il va y avoir une séquence comme ça. Boum, boum. Putain, il y a tout qui explose, faut passer par là. Allez, dépêche. Faut que je sorte de cet endroit de merde. Sinon je vais me faire tuer. Allez, go, 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 go. Allez, on a réussi à sortir. Vas-y, vas-y, continue, continue, continue. Voilà, il commence à faire jour en plus. On vient de sortir. Nouvel objectif, se frayer chemin hors du complexe. Oh putain, parce qu'on nous retire dessus. Vous avez dit que l'émission était longue. Hein. Oh putain, oh putain. Allez, cache-toi, cache-toi, cache-toi là. Cache-toi. Cache-toi. Voilà, voilà, c'est bon. Putain! Ah, ça me saoule. Allez, on doit se frayer un chemin maintenant. Juste là. Il va falloir faire attention parce qu'il y a un sniper tout en haut. Qui vise très bien. Boum, mais on vise mieux que lui. Allez, même pas nous avoir. Ah si, il avait tiré une balle juste avant nous. Boum, dans la tête. Allez, on doit se frayer un chemin maintenant, juste là.
falloir faire attention parce qu'il y a un sniper tout en haut qui vise très bien. Boum, mais on vise mieux que lui, allez. Même pas nous avoir. Ah si, il avait tiré une balle juste avant nous. Boum, dans la tête. Magique. Y a-t-il d'autres gens? En tout cas, je sais qu'il faut qu'on se fraye. On va passer par là. Je pense qu'il y a des renforts qui vont arriver. Tiens, il y en a. Allez, viens, viens, viens. Oula, 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 il y a du monde, il y a du monde. Cache-toi derrière les boîtes. Voilà, impeccable. Il va falloir faire attention parce qu'ils vont se disperser. Il y en a qui sont partis à gauche, il y en a qui sont partis à droite. Non, je l'ai pas eu. Ça s'est dispersé de partout. Tiens, lui. Allez, en plein mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres mondes? Bien sûr, puisque j'en ai vu au moins une dizaine sortir. Allez, putain, il était juste sur la colline. Allez, ils sont où les autres? Je sais pas, on va continuer par là. On va prendre la tourelle. Hop. Prendre la tourelle. Montez sur la tourelle. Allez, venez, venez. Je sais pas où ils sont. Allez, on va tirer un peu pour qu'ils viennent. Allez, venez. Ah, tiens, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez, prends la tourelle, voilà. Boum, 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 boum. Ouh, le carnage. Boum, 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 boum. Putain, on est en train de défoncer tout le monde là. Allez, on tire d'un pour tout. Je sais pas où ils sont cachés. Ah, il y en a un là. Et déséquipe-toi. Alors je passe là. Je vais lancer une grenade. Grenade, hop. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain, j'ai vu, il était par là tout à l'heure. Non, il y en a peut-être plus. Non, j'ai dû l'avoir avec la grenade. Bon bah c'est tout, voilà, je crois qu'on termine la mission. Quand même assez longue, je pense que. La prochaine fois, on fera un peu moins long. Bon, je me suis bloqué dans le caillou, voilà. On a fini la mission. Impeccable. Tout explose. Et on a gagné, bien sûr. Bon, à la fin, on était un peu plus discret qu'au début, quand même. Enfin, qu'au milieu, je veux dire. Au début, ça a été. On a débloqué le trophée Sniper... Sniper, je sais plus quoi. Aventurier, je crois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, l'épisode 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, parce que... on fait pas les vidéos non plus sans passion et surtout sans temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde et à bientôt.